Le Relais de Castelnau est un hôtel et restaurant situé à Loubressac, classé parmi les plus beaux villages de France. Ce lieu offre une vue panoramique exceptionnelle sur la région. L'hôtel offre une quarantaine de chambres de grand confort allant de la chambre simple à la suite junior. Le petit déjeuner, servi sous forme de buffet, une piscine chauffée et un terrain de tennis sont également mis à disposition de la clientèle. Le restaurant propose une cuisine gourmande où les produits régionaux sont mis à l'honneur. L'agneau du Quercy, le canard, les noix du Périgord ou encore le fromage de Rocamadour. Loubressac se situe à quelques minutes à pied. Le gouffre de Padirac et de nombreux villages classés comme Autoir, 3 km, Rocamadour, 25 km, Martel, 25 km, ou encore Collonges-la-Rouge, 30 km, sont également à deux pas. Perché sur un piton rocheux, Loubressac se distingue comme l'un des villages les plus harmonieux de la vallée de la Dordogne, également classé parmi les plus beaux villages de France. Dominant trois vallées, la Dordogne, la Serre et la Bave, son panorama exceptionnel offre une vue imprenable sur les châteaux de Castelnau, de Montal, ainsi que sur les tours de Saint-Laurent. Plongez dans la découverte de ce charmant village, riche en histoire. Vous ne regretterez pas ce petit détour à Loubressac, une destination qui captivera votre cœur et stimulera votre imagination. Classé parmi les plus beaux villages de France, depuis 1983, le village charme les visiteurs avec ses belles maisons médiévales aux pierres ocre et tuiles brunes, ses ruelles agréablement fleuries, ornées de balcons, d'escaliers et de courettes, ainsi que son église et son château.
ce village pittoresque est une étape incontournable pour quiconque visite la région. En déambulant dans les ruelles du village, succombez au charme de ces maisons médiévales aux murets dorés et aux toitures en tuiles. En flânant à Loubressac dans les ruelles fleuries convergeant vers la place ombragée, ne manquez pas d'admirer l'architecture des maisons quercinoises, les fenêtres Renaissance, la maison des gardes du XVe siècle, la porte fortifiée. Puis gagnez le château à l'extrémité de l'éperon rocheux pour contempler le splendide panorama. Un autre point de vue s'ouvre à vous du côté de l'église. L'église Saint-Jean-Baptiste possède un imposant clocher-tour desservi par une tour d'escalier en vis. Son portail sculpté fut en partie martelé par les protestants qui occupèrent Loubressac en 1572. Dominant le village, le château de Loubressac est construit au XIVe pour devenir la résidence des barons de Loubressac. Transformé en manoir à la fin du XIXe siècle, il sera ensuite vendu et racheté à plusieurs reprises. Actuellement, il est une propriété privée non accessible au public. Dans la seconde moitié du XIIIe siècle, une chapelle castrale dédiée à Saint-Jean-Baptiste est élevée dans le nouveau village fortifié par le baron de Loubressac, Hugues de Castelnau. Elle est ensuite englobée dans la nouvelle église construite par Adhémar d'Aigrefeuille au XIVe siècle et achevée vers 1520 par Anne d'Auriol et son mari. L'église est composée d'une large nef à deux travées, de quatre chapelles latérales voûtées sur croisées d'ogives et d'un chœur à cinq pans. À noter aussi un imposant clocher-tour desservi par une tour d'escalier en vis, et le portail sculpté, en partie martelé par les protestants qui occupèrent Loubressac en 1572. Le tympan représente un Christ en majesté et la crucifixion, entre deux médaillons. On peut voir deux lions sculptés dans la partie inférieure du tympan qui, selon la tradition, proviendrait de l'ancienne église Saint-Pierre. La première mention de Loubressac remonte au IXe siècle, figurant dans le cartulaire de l'abbaye de Beaulieu. Les bâtisses du village ne datent pas d'avant le XVe, car Loubressac a été occupé par les Anglais pendant la guerre de Cent Ans. En 1352, le vicomte de Turenne, Guillaume Roger de Beaufort, a libéré le village de cette occupation. Avant son emplacement actuel, le castrum fortifié et l'église Saint-Pierre étaient situés 50 mètres en contrebas, au lieu dit « l'église basse ». Suite aux destructions pendant la guerre de Cent Ans, un nouveau château a été construit au XIVe siècle au sommet du promontoire. L'église Saint-Jean-Baptiste et les habitations ont été érigées à l'abri des fortifications. La dynastie des Castelnau régna jusqu'au XIIIe siècle. Loubressac a ensuite dépendu de la vicomté de Turenne jusqu'en 1738, avant de retourner sous la tutelle du baron de Castelnau, pour finalement devenir une commune lors de la Révolution. Le village, repeuplé au XVe siècle par des Auvergnats et des Limousins, a connu une période prospère jusqu'au XVIe siècle, lorsque les guerres de religion ont mis fin à cet essor. Le photographe Robert Doisneau, lors d'une descente en canoë sur la Dordogne, est ébloui par « la lumière la plus belle du monde », ce sera l'objet du premier reportage photo de sa carrière professionnelle en 1939. Puis en 1946 il revient dans la région et rencontre Jean Lursa. À partir des années 50 il passe toutes ses vacances dans le Lot, et plus particulièrement à Loubressac, jusqu'à son décès en 1994.